Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous allez vous préparer avec moi, donc si vous voulez voir mes deux dernières vidéos, je vous laisse voir. Donc on va tout de suite commencer avec ce look, donc il est très naturel et c'est ce que je porte presque tous les jours. Donc là je vais préparer mes affaires, un petit t-shirt long avec bien sûr quelque chose en dos, un jean. Je vais utiliser pour mes cheveux de l'huile, une crème. Et puis je vais mélanger tout ça, je vais déjà démêler avec un peu de lotion. Je mélange l'huile et la crème et puis j'essaie de remettre bien mes boucles. Je fais mon petit chignon et on va se préparer, donc on va faire notre make-up très très simple. Je vais utiliser le crayon à sourcils de chez Kiko puisque je ne vais pas utiliser de fond de teint. J'aurai pas de fond de teint sur mes sourcils. Je vais corriger juste avec un petit correcteur de chez Essence qui a un effet poudré. Je vais vous marquer toutes les réponses bien sûr dans la barre d'infos. Donc ouais, j'estompe. J'utilise la poudre de chez MAC. Je l'applique avec un pinceau à fond de teint basique. J'en mets un petit peu partout. Donc pour pas ressembler à un cadavre, j'utilise une terre de soleil de cheveux Body Shop. Je vous mets le numéro bien sûr de la couleur dans la barre d'infos. Je mets sur mes tempes, un petit peu sur mes joues. Pour donner plus de couleur à mes joues, j'utilise le blush crème de Cheveux et Maybelline. Donc je vous mets aussi le numéro, c'est un petit orangé. Donc pour les yeux, j'utilise un petit Bay Pot de chez MAC, qui est un brun très très clair sur toute ma paupière mobile. Sur les coins externes, je vais mettre un petit orangé, donc je vais tapoter, hein. C'est très rapide, très simple. Donc vous voyez comment je le fais, c'est très 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 simple. Et dans la waterline, je vais mettre un petit beige de chez Rimmel. Je vais recouvrir mes cils, je vais mettre mon petit mascara de chez Revlon que j'aime bien pour tous les jours. Donc il étoffe pas tant que ça les cils, mais pour tous les jours elle est très très bien. Vous allez voir le résultat de mon make-up le plus simple possible. Sur mes lèvres, je vais rajouter un petit rouge à lèvres assez crémeux de chez Clarins. C'est un rosé orangé. Et puis je suis prête, il me reste juste à choisir mon manteau et mes chaussures. Je vous montre rapidement le look final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao!